Salut tout le monde, c'est ML Bro et je vous présente une toute nouvelle vidéo sur un élevage de dragons d'Inde. Je vous explique comment utiliser les objets, comment utiliser les enclos. Et voilà, c'est parti. Alors, tout simplement, déjà, je vais vous présenter les enclos que j'ai pris. Donc, c'est tout récent. Je suis un tout nouveau éleveur depuis 2 semaines, il me semble. Alors, voilà, on a la guilde a un enclos de 3 montures, enfin 3 places et une 6 places. Donc, moi, je me sers essentiellement du 6 places hein, parce que le 3, je le laisse un peu pour le reste. Voilà, je vais vous montrer, vous expliquer comment on s'en sert, comment déplacer. Voilà, on va directement dans notre petit enclos. C'est parti. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas compris ou si j'ai oublié quelque chose, peut-être. Voilà, donc on se retrouve dans Abrakmar, dans notre petit enclos. Alors voilà comment se présente un enclos. C'est un peu comme les enclos, c'est exactement comme les enclos publics. Voilà. Donc vous avez vos dragonnins. Vous pouvez regarder directement les dragonnins ici. Vous avez toutes les dragonnins. Vous pouvez regarder les mâles, là, les femelles, là, les montures fécondes. Donc voilà. Et surtout à ne pas oublier, pour les montures fécondes, vous regardez l'arbre généalogique. Donc celui-là, vous voyez qu'il n'est pas super. Vous voyez là aussi. Par exemple, une qui est un bon arbre généalogique. Voilà, c'est celle-là, il me semble. Voilà, elle a plein de différentes. Elle peut faire mettre une prune, une ébène émeraude. Une prune émeraude, une émeraude rousse, donc comme elle. Donc j'ai plus de chance, une seule chance d'avoir une rousse. Il faudrait la coupler avec une bonne, quoi. Donc les rouges sont en femelle et les bleus en mâle. Voilà. Ensuite, vous regardez pour les fécondes. Voilà. Pour les fécondes, donc là j'en ai 8. Regardez ici, 54 heures. Les dragodins sont variés en fait, ça dépend, c'est selon son vouloir en fait. Elle va arriver à être, elle peut être fécondée, donc accouchée après son accouplement entre 48 heures et 300 heures. Je vais pas m'avancer, moi le maximum ça a été 230 heures, c'était très très long. Voilà. Ensuite je vais vous montrer. Donc vous voyez cette barre qu'on appellera la célérité. Donc un côté tristesse, un côté joyeux, on va dire. Donc cette barre peut varier pour augmenter l'amour, la maturité et l'endurance. Donc la maturité, elle permettra, donc comme elle dit, donc de la monture d'être adulte. Quand la monture sera adulte. Donc là, vous voyez, bon, elle est fatiguée. Quand la monture sera adulte, elle pourra être montable. Ici. Donc comme vous pouvez voir, là, montable là. Voilà. Donc de préférence pas sauvage pour qu'elle puisse être montée. Voilà. Oui, pour qu'elle puisse être montée. Quand la monture est mature, il faudra la monter niveau 5. Donc on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Et pour qu'elle soit mature, elle doit être entre moins 2500 et 2500. Alors comment faire ça? Voilà. Vous voyez les caresseurs. Les caresseurs, ils vont permettre d'augmenter. Eux, les caresseurs vont permettre d'augmenter ça. Le sourire. Donc d'aller d'où vous êtes à jusqu'à 10 000, ici. Ensuite, nous avons les buffers. Les buffers, qui eux, ta-ta-ta. Qui eux vont permettre de descendre, donc d'aller en négatif vers la tristesse. Alors, pour en revenir, quand vous achetez ou quand vous capturez, ça dépend comment vous voulez faire ça, quand vous capturez une dragodinte, il va falloir jauger en fait avec toute la célérité. Par exemple, être entre moins 2500 et 2500 pour faire de la maturité. Ensuite, pour avoir de l'amour. Il faudra être à plus de 2500. Donc vous mettez les caresseurs pour aller en joyeux.
Et pour avoir l'endurance, il faudra être à moins 2500 ou plus, hein, jusqu'à moins 2000, moins 10 000. Et c'est avec les buffers. Par contre, voilà, quand vous êtes arrivé à 2500 par exemple et que vous voulez monter l'amour, vous allez utiliser les dragofesses. Fesses. Voilà, comme vous voyez ici. Ensuite, si vous voulez augmenter l'endurance et que vous êtes bien sûr à moins 2500 minimum, en célérité, vous augmentez avec les foudroyeurs que vous voyez ici. Alors attention, de préférence être bricoleur, niveau 60 à peu près, ça pourrait passer pour faire des bons objets d'enclos. Voilà, si vous regardez ici avant d'en acheter, surtout regardez ici. Vous voyez là, il est à 4282 sur 5000. Donc, il est tenable pendant 4000 coups. Étant donné que il perd un coup à chaque fois qu'une dragonnade va le toucher. Je vais vous expliquer. Vous voyez ici, 1594. Nous allons ici. Et vous devez prendre aussi des mots de bisous pour pouvoir les attirer. Vous l'attirez. Pac. Bon, des fois, c'est pas trop. Et normalement, ça devrait descendre. Bon, c'est jamais à jour, en fait. Donc, faut faire attention à ça. Regardez s'ils sont bien encore bons. Voilà. Et les abreuvoirs, eux, ils vont vous servir. Donc, bien sûr, le seul truc qui manque, ils vont vous servir à augmenter la maturité. Donc, bien prendre en compte. Là, vous voyez, c'est la dragonnade qui est devenue mature. Tiens, voilà. Vous voyez, maintenant, elle est mature. Donc, là, ben, comme vous pouvez le savoir, elle est montable. Donc voilà. Hop, vous la prenez. Vous enlevez votre dragonnain. Vous la mettez. Hop, là. Vous lui donnez des petits poissons pour qu'elle puisse avoir de l'énergie. Voilà, comme ça. Moi, j'en mets 10, ça suffit. Hein. Voilà. Elle est montable. Et hop, là, la magie s'opère. Et voilà, vous la mettez à 90% pour la monter. Si vous avez un autre XP quelque part, par exemple moi la guilde, que je la monte à 40% pour qu'elle puisse monter, vous mettez 0% à la guilde pour que ça puisse aller plus vite. Voilà, moi j'ai un petit endroit pour XP directement mes dragonnames. Je vais directement au bloc. Ça donne en même pas 5 minutes, c'est fini. Donc, ouais, excusez-moi, j'ai une mauvaise connexion. Je vais fermer tous ces deux fus. Voilà, vous allez dans Plaine de Cagna. Ou vous allez où vous voulez. Hein. Il n'y a pas de. Du moment que vous passez votre dragonnage niveau 5, voilà. Vous faites les combats. De préférence, les challenges pour que ça aille beaucoup plus vite. Voilà. Vous allez voir que ça XP quand même assez vite. Donc là, on va passer niveau 2, pas encore niveau 3. Bon. J'ai une très mauvaise connexion, comme vous pouvez voir. Voilà. Et oui, j'ai changé de stuff. Je suis maintenant en force et agi. Donc, bon, bah, sans ma dragodin, ça va pas faire beaucoup. Voilà, faites le challenge. Oh, c'est long. Bon, avec une personne qui a une meilleure connexion, il a déjà fini deux combats là. Voilà. Donc vous gagnez 1205. Regardez, hein, la monture a gagné. Prenez les combats, donc là, quand il y a marqué 10 000, c'est que vous avez gagné dans les 1000 et quelques. Que voilà, vous prenez ça directement. Hein. Bise règle. Ça va pas marcher, je pense.
Peut-être avec de la chance. Ouais, j'ai pas mal de chance. Voilà, donc là, Blizzard a marché, hein. On a de la chance. Là, je vais faire une perte de PA avec les craqueurs de plaine. C'est pas grave. En espérant que je puisse au moins taper plusieurs fois. Ouais, je vais peut-être couper quand même, parce que ça va mettre assez longtemps pour l'XP. Plutôt roxer celui-là. Voilà. Hop. Attends que l'autre il arrive. C'est chiant, je peux pas faire, faut vraiment. Donc après que vous ayez monté vos dragonlandes, vous pouvez tout de suite aller la remettre dans l'enclos pour après soit aller féconde, bim, c'est fini. Et ou sinon bah, attendre un peu pour augmenter le reste. Là vous voyez qu'elle va pas être féconde parce que allez, on a l'amour, on a la maturité, mais il manquera l'endurance. Étant donné qu'elle est fatiguée, voilà, ça va pas aller très très vite. Alors oui, la fatigue, en fait, c'est... Il y a 240 pour toutes les montures. Il n'y en a pas une exception. Et du coup, 240 équivaut à 48 heures. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc si votre monture est fatiguée, vous la laissez une journée et puis voilà, c'est fini. Alors voilà, là elle est niveau 4, voilà. En espérant que ça fasse up la monture pour que vous puissiez voir. Hein. C'est dommage qu'elle n'est pas fécondable parce que comme ça vous auriez pu voir directement ce que ça fait. Voilà, on refait le challenge de 25%. Voilà, 100%, c'est pas terrible. Hein. Voilà, parfait. Voilà, un challenge. Et j'espère que elle a up. Au moins niveau 5. Voilà, parfait. Donc, voilà, vous enlevez. Voilà, votre Dragonland a up. Bon, excusez-moi, je fais ça vite fait. Hop. Maintenant que cette dragonnade est up, donc vous retournez à votre petit enclos. Si vous n'avez pas d'enclos, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour faire un élevage si vous n'avez pas de guilde tout simplement pour avoir un enclos. En sachant que la guilde doit être minimum niveau 10 pour avoir un enclos et être âgée de 2 mois. Donc ça nous a pris quand même assez de temps, tout juste 2 mois en fait. Donc c'est pour ça que c'est récent. J'en voulais une depuis très très longtemps. Donc voilà. Vous avez votre monture montable niveau 5, voilà, et je vais vous montrer pourquoi elle est féconde au niveau 5. Vous voyez là, elle est féconde, il y a marqué féconde, c'est tout simple, fécondation, féconde. Le moyen de reproduction, elle peut aller jusqu'à 20. Quand elle arrive à 20, c'est pas très très bon, elle devient stérile. Donc exactement comme ma monture que j'ai actuellement, elle est castrée. Voilà, après vous ayez tout augmenté. Je vais regarder si j'ai pas une DD qui est pas up et qui est tout augmenté. Non. Vous voyez, regardez. Là, il y en a qui sont matures et que j'ai pas encore augmenté. Par perte de temps. Hein. Voilà, il n'y en a pas. Oui, alors oui, pour dire que ça va très très vite. J'ai commencé avec 4 montures il y a 2 semaines et je suis déjà à 26 ou 27 montures, étant donné que il y en a d'autres qui sont fécondables. Après, je vous montrerai quand j'aurai l'occasion un accouplement dans une vidéo très courte, comment le faire, tout simplement comment la présenter. Alors après, pour les mots de bisous, si vous ne savez pas vraiment où vous pouvez regarder sur les tutos ou les forums. Vous allez ici en 1,0, vous allez parler à Don Juan, je crois, et vous allez dropper des pinces, après avoir lui parlé, des pinces de crabe ici, là, vers là. Voilà, les rivières Kawe.
Après, vous revenez, vous répondez à la question le plus méchamment possible, et vous revenez entre minuit et 1 heure, et ça sera fini. Maintenant, je vais vous montrer, je vais aller à Bonta, parce que la plupart des gens sont bontariens, pour vous montrer les enclos, comment ça se passe. Les enclos publics. Et oui, bien sûr, vous pouvez faire un élevage directement dans les enclos publics, sans forcément avoir votre propre enclos, ce qui vous ennuie encore moins, parce que vous n'avez pas besoin de payer un enclos, vous n'avez pas besoin de payer les objets d'enclos, qui reviennent déjà assez cher, sauf pour moi qui suis bricoleur. Donc voilà, vous retrouvez les fameux abreuvoirs, donc pour la maturité, ici. Après, je vais vous montrer que c'est exactement pareil en fait. Là, vous retrouvez le sourire, donc avec les petits caresseurs que je vous ai présentés. Qui sont pas beaucoup à 600, vous voyez, c'est pour ça que ça monte pas beaucoup. On prend des 5000 et puis voilà, c'est fini. Ça monte hyper vite. Voilà, vous voyez, c'est exactement pareil. Hein. Vous pouvez mettre une DD n'importe laquelle. Hein. Voilà, celle-là. Hop, vous la payez. Hop, on va se cogner contre les trucs. Ouais, vous voyez. Et la dragonnade ne peut pas être touchée par les autres utilisateurs, ils ne la voient même pas, ça veut dire c'est tout bénef quoi, vous pouvez y aller. Sauf que voilà, les caresseurs sont à 600, plus le nombre de points au niveau des caresseurs bah, ça augmente, bah, plus la dragonnade, comment dire, plus la dragonnade va XP plus vite quoi, va monter au niveau du truc. La tristesse, donc ça vous voyez comment c'est fait, vous mettez votre dragonnade. Donc la tristesse pour être mature ou pour descendre pour l'endurance. Voilà, donc là l'endurance avec les foudroyeurs. Voilà. Et le dernier enclos. Je ne vais pas vous présenter les carotteuses parce que. Voilà, les dragofesses qui sont pas mal quand même. 3000, c'est pas mal. Si, je vais vous montrer quand même. Vous savez, pour les dragonins, l'énergie, il y a aussi un enclos. Spécial, moi je l'utilise pas, je prends directement des goujons ou n'importe quoi, n'importe quel poisson ou boucherie, ça fera l'affaire. Je leur donne 10, c'est pas très très cher, mais ça voilà, ça peut augmenter l'énergie de vos dragonnades sans pouvoir payer quelque chose. Vous voyez, il y en a qui l'utilisent. Hein. Moi personnellement, ça m'intéresse pas, je préfère aller beaucoup plus vite en donnant 10 goujons et puis c'est fini, je la up et voilà, on n'en a plus besoin, on n'en parle plus parce que c'est une grosse perte de temps, je trouve. Voilà, donc on se retrouve encore pour notre enclos. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous abonner, liker ma vidéo et pourquoi pas partager sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quel site que vous voulez. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir... savoir vos impressions, comment vous appréciez mes vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!